Bonjour, je m'appelle Ralph Évêque, j'ai 34 ans, je suis docteur en histoire du droit. J'ai effectué l'ensemble de mes études juridiques à Paris-Nanterre. Je suis titulaire d'une licence en droit public, d'un master 1 en droit des affaires et d'un master 2 en histoire et en anthropologie du droit. Après mon master 2, j'ai entamé une thèse de doctorat au sein du CHAD, le Centre d'histoire et d'anthropologie du droit de Paris-Nanterre, sous la direction de la professeure Swazi Kerneis. Et le sujet était les transmissions du savoir juridique pendant la période impériale romaine. Et en somme, dans ce travail, pour résumer rapidement, il s'agissait de montrer que si dans une première partie de la période impériale romaine, c'est-à-dire de 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 284, le droit se transmettait essentiellement par la pratique et de manière subsidiaire dans le cadre de l'enseignement d'autres disciplines comme la rhétorique en particulier, à partir du Bas-Empire, la seconde partie de l'époque impériale romaine, 284 jusqu'à 476, là, de véritables écoles de droit apparaissent et on peut véritablement parler d'un enseignement académique de la science juridique. À l'issue de ma soutenance, j'ai obtenu le grade de docteur en histoire du droit, en étant spécialisé en droit romain. Et actuellement, je suis en recherche d'un poste d'enseignant-chercheur. L'open access est quelque chose de fondamental pour moi. Tout d'abord, c'est pour moi dans la continuité directe de mes travaux doctoraux. J'ai travaillé sur la question de l'enseignement, sur la question de la transmission du savoir. Et ça me semblait, somme toute, tout à fait naturel de mettre en open access mes travaux. L'open access est très utile à différents niveaux, de la société, pour le grand public tout d'abord, parce que je considère que les produits de la recherche académique sont un bien commun et qu'ils doivent servir, ils doivent aider l'ensemble de la société civile. Le grand public, par exemple, peut trouver des bénéfices à l'exploitation de la recherche académique pour comprendre de manière plus satisfaisante le monde dans lequel nous vivons, l'appréhender de manière plus intéressante, plus intelligente, plus nourrie. Pour les étudiants, l'open access est également fondamental dans le sens où ils peuvent avoir accès à des ouvrages, des articles, très utiles pour leurs cours, très utiles pour favoriser leur réussite, articles et ouvrages qu'ils n'auraient pas pu forcément consulter de manière payante. Pour les doctorants, et je peux en témoigner directement, l'open access est fort utile dans le sens où faire de la recherche, être doctorant, ça implique de manipuler quotidiennement un très grand nombre de sources. Ces sources sont souvent difficiles à trouver ou non accessibles dans une ville ou dans un pays. Sans ces différents supports numériques, j'aurais du mal à soutenir ma thèse dans les délais. Et pour les chercheurs aguerris, l'open access est également quelque chose de très utile, dans le sens où c'est un gain de temps absolument formidable, puisqu'il y a une abolition totale de la distance entre la recherche, les travaux de la recherche académique et les lecteurs et ses lecteurs. En somme, l'open access est un moyen de démocratisation de la culture académique pour la rendre accessible au plus grand nombre. C'est également une manière de réduire les inégalités, puisque les produits de la recherche sont accessibles gratuitement et à tous. Et c'est également un accélérateur de temps pour les chercheurs qui peuvent boucler leurs recherches, aboutir dans leurs recherches de manière plus rapide et se consacrer à d'autres projets. Le prix Open Thèse est un prix qui a été créé par la fondation Open Law et qui récompense les meilleures thèses juridiques en accès libre, que ce soit en droit privé, en droit public et en histoire du droit. Pour ma part, j'ai été lauréat de ce prix en 2019 et je ne peux qu'encourager les jeunes chercheurs, les jeunes docteurs à candidater à ce prix. Tout d'abord par générosité, pour rendre accessibles leurs travaux à tous et également pour mettre en valeur également leurs recherches.